crashed into that banner on the road to London. Now watch this, Bob. Oh, this is the crash heard round the world, Phil. People not familiar with cycling, and all the people are astounded by how a spectator could disrupt on stage number one the entire Tour de France peloton. And one of the teammates of Primoz Roglic, by the way, one of the pre-race favorites. Well, a lot of people, of course, including riders and pedestrians, had to be treated after that. Now, this year's Tour has seen some serious crashes. Unfortunately, it's led to riders having to abandon this race. Each of these riders are diagnosed at the medical truck. Here's a behind-the-scenes look at where the riders are treated. That was a massive crash. That's un grand rembourrage. Beaucoup de chutes, donc beaucoup de traumatismes, donc des fractures assez diverses, de poignets, fractures de coude, fractures de côte, des hématomes sous-cutanés. On a eu pas mal de travail avec des diagnostics assez divers. Quand un coureur arrive, il est examiné par un médecin et moi je réalise donc les radios en concertation avec le médecin. Tous les radiologues qui interviennent sur le Tour de France sont des radiologues spécialisés en ostéo-articulaire. On connaît bien la pathologie des sportifs, je dirais c'est de la radiologie assez classique de traumatologie. Donc la première salle, c'est à la fois une salle d'examen, et deuxièmement, c'est la salle de l'échographie, qui est donc le complément de la radiologie. Et là, spécifiquement, on explore toutes les pathologies tendineuses, musculaires. La salle du fond, qui est dédiée à la radiologie, avec 5 tonnes de plomb qui isolent ce compartiment, un tube tout à fait moderne, une radiologie numérisée comme dans un hôpital normal. Et ici, donc, on s'occupe de tout ce qui est os, c'est-à-dire notamment dans le cadre du Tour de France, les fractures, les côtes, les membres supérieurs, les clavicules. Chute, Gail Thomas pris dans la chute. Gail Thomas cause the crash. L'intérêt de ce camion sur un sport comme le Tour de France, dans les pathologies pas trop graves, c'est que les coureurs ont accès rapidement à des spécialistes, alors que dans les villes, il faut passer par le service des urgences et il faut patienter souvent longuement, parfois jusqu'à minuit, et tout ça c'est pris sur le temps de récupération avec des diagnostics qui sont peut-être un peu moins spécialisés. Yes, if they're unfortunate enough to get a bad accident, on the finish line is that virtual operating center there for the medical team, and the doctors able to look at riders, x-ray, see all the problems, face them straight away. It's an incredible setup for the medical team on the Tour de France. But don't forget, of course, the problem is very many of the actions are caused by the fans getting just a little bit over-enthusiastic. And the motto is, please respect the riders and remember when they're going past you.